Salut à tous, c'est Mister Fanax pour un nouvel épisode de Dragonia 5985, le jeu de rôle. Alors actuellement, nos héros sont donc dans le château de Lithier et ils ont été repérés par visiblement une troupe de guerriers inconnus qui traquent Spiritus le loup-garou. Probablement des chasseurs de loup-garou eux aussi. Sachant que Spiritus, je suis planqué en position fœtale juste là. Voilà. Spiritus qui s'est donc planqué... Spiritus qui s'est donc planqué dans une chambre qui est cachée par une illusion de Frost, qui n'est pas là à nouveau. Voilà. Donc avait découvert auparavant des informations. C'est quand même mon idée, hein. Avait découvert des informations plutôt compromettantes, comme quoi l'alchimiste serait vraiment de mèche avec les chasseurs de loups-garous. Et donc vous avez vu ces cinq hommes, deux gardes de la ville, une sorte de chevalier ou de capitaine des gardes, un mercenaire qui vient d'on ne sait pas trop où et un mage. Ces cinq personnes sont visiblement là pour mettre à mort Spiritus et tuer tout ce qui s'oppose à eux. Très bien. C'est différent, quoi. Spiritus, t'es censé jouer en premier. Eh bien, je reste planqué. Voilà, je reste planqué en position fœtale où je suis. Très bien. Tu fais pour voir s'il reste silencieux. C'est le truc. Ça se fait un chier pour voir si tu es nul. Très bien, donc le capitaine, leur chef, se précipite vers toi, Okino, tandis que ses soldats le suivent, avec le mage qui reste un petit peu en arrière. Et toi, Volker, donc, qui a été un petit peu écarté de leur chemin. Éclaté contre le mur, comme une sorte. Donc le capitaine des gardes te lance, Okino. Alors, vous n'avez pas vu un loup-garou par ici? Répondez vite, je suis pressé. Ouais, soldat. Tout à l'heure avec un truc comme ça. Soldat, fouillez les chambres sur les côtés. Il est peut-être planqué par là. Mage, viens avec moi, il faut qu'on essaie de le localiser. Donc le mage va se rapprocher. Voilà, le mage se rapproche un petit peu en restant sous la protection des soldats. J'ai l'impression que c'est pas un mage de combat. Ce qui m'a pris sur notre oreille, parce que là je lance un éclair, il suffit que Volker s'écarte. Je lance un éclair, ils sont tous morts. Très bien, donc, les soldats donc, commencent par pousser une première porte et jeter un coup d'œil à l'intérieur. Okino, que fais-tu? Alors j'ai deux choix, je voulais choisir les gars. Oula. Ou la tentative de contrôle mental. Tentative de contrôle mental. Tu le réduis mental. En pauvre petit tas de merde. En légumes. Et ensuite ça te se lance bire. En espérant qu'il fasse pas d'échec, mais non. Okino, t'es pas. Okino, t'es pas un mage, t'es pas non plus un mage télépath of the dead. Hein. Je te rappelle que t'es spécialisé dans l'invocation et la foudre, c'est-à-dire que tu peux très légèrement l'influencer, vraiment pas grand chose, puisque c'est un mage et un humain. Donc tu n'arriveras pas à grand chose si tu tentes ça. Droite de troisième possibilité. On peut en avoir une troisième. Run! Non, c'est juste qu'on lui laisse faire en espérant qu'il tombe pas sur la porte. Et s'il tombe sur la porte, parce que le mage détecte le loup-garou. Oui, donc ouais, il va passer on juste. Ici. Non, ce qu'il faut faire, il va se dire merde. Attendez, il faut qu'on les encercle. Ils ne savent pas encore que cette porte existe. C'est-à-dire que si on se place bien, en les encerclant, Spirit Wolf peut sortir par là, en bourrer un, ou deux, ou trois. Oui, dans le meilleur 4, des 4-3. 5 ou 6. Et après, on a juste à leur défoncer la gueule. Moi, en lançant un éclair, Volker en chargeant un. Même si ça va pas être très efficace, mais ça va être mieux que donner des coups de bâton. Chargeant un éclair. Coup de bâton. En en défonçant un, en lui fonçant dessus. Parce que tu ne pourras pas le tuer. Ah, en chargeant. Pas le tuer avec ton bâton. En mode bélier. Oh non. Autant que tu serves de bélier. Tu sais, les mêlées de rugby, tu sais. Bon, je suis pas un bibé, hein, je vais quand même ressentir la douleur. Comment ils utilisent les nains comme béliers, quoi, c'est pas cliché. Un autre côté, bah quoi, ça se fait, non? Et la dernière fois qu'il a voulu taper avec son bâton, ça s'est mal fini. Ouais. Enfin, pas si mal que ça. Nous. Oui, mais pour nous, ça s'est mal fini. Ah non? Bah, ça s'est bien passé parce que après, t'as réussi quelque chose. Donc, là, à mon avis, si tu les frappes avec un bâton, je suis pas sûr que j'ai le potentiel de faire quelque chose. Je recule et je les laisse passer. Je ne veux pas m'arrêter louche. Donc, tu te comportes comme un être civilisé. Donc Frost, lui, a les mains sur ses couteaux, il est prêt à les dégainer.
Mais donc il t'imite et recule légèrement tout en conservant un œil vigilant sur son illusion qui pour l'instant garde une forme relativement cohérente. Il commence pas à partir en De toute steak. façon, je suis content qu'il soit planqué parce qu'avec ce mage, même si Spirit avait eu son Donc talisman, il le s'était fait avoir. capitaine continue à avancer dans le couloir avec le mage à ses côtés et un des guerriers qui le suit. À ce moment-là, le guerrier tourne la tête et s'exclame: Hé! Hey, y avait pas une porte avant par ici? Juste, hein, je tiens à préciser que moi, on m'a cramé mon tour. Vous avez forcé sur la picole, monsieur. Il y en a un qui répond ça. Vous avez forcé sur la picole, monsieur. Très bien, et eh bien Volker, pendant que le guerrier s'approche de la porte, je t'autorise à agir, mon poulet. Enfin, merci. Alors moi, tout simplement, je vais me diriger vers la porte. Voilà, de façon à pouvoir la fermer s'ils se rendent compte et qu'il y a besoin d'attaquer. Et de charger celui qui est le plus près pour que... D'une! Attendez! Pour que Je me fais d'une... repérer. Non, non, c'est juste pour vous expliquer. Une, la porte fermée, ça va empêcher les fuyards. De deux, s'ils se mettent à gueuler, il y aura moins de personnes qui peuvent entendre. Et de trois, bah ça nous laisse plus de temps pour bourriner celui qui est en train d'essayer de partir. Ça va comme technique ou... Oui, ça me convient. Certes, mais Et bon, donc, pour la mon technique prochain... fuyard. Alors là, c'est ma prochaine action. Je sais exactement ce qui va se passer. Regarde le Oula. placement des personnages. Est-ce que je peux commencer à la fermer sans qu'ils s'en rendent compte, les autres cons? Bah oui, ils sont Bah, pas tu les peux autres. commencer, ils sont Ah occupés oui, à autre bah. chose. Tu vois les deux Ouais, soldats bah qui je la sont devant ferme. toi qui Voilà, je entrent la dans ferme. une chambre et qui Juste par regardent. contre, tu pourrais rendre les chambres visibles parce que là on voit que dalle. Non, on voit pas l'intérieur des chambres. Vous voyez pas ce qu'il y a là-dedans. Mais celle-là, on peut la. Celle-là, Volker doit pouvoir la voir de son angle, normalement. Oui. Oui, je Bah oui. t'autorise à voir cette chambre sans aucun intérêt. Ok, mais au moins C'est une ça. chambre. Ça pourrait donner un avantage, je sais pas. Il faudra que tu. Ce que tu vas. Voilà, tu le devines, hein, mais. Ok. Quand, si le Voilà, combat j'ai se lance, Oh merde, je viens de cette penser porte à un sera truc. déjà fermée. Oh putain, je viens de penser à un Donc il truc, faudra que j'aurais tu dû penses à faire ça. fermer cette porte. Mais c'est. Cette porte, donc, cette porte, elle est grande ouverte, elle n'était pas verrouillée. Donc, Putain, je viens de Volker, penser à toi, une tu stratégie que commences. j'aurais dû faire Moi, avant. j'ai fermé la porte, hein, c'est bon. Donc, tu commences à fermer la porte discrètement, pendant que les deux autres jettent un coup d'œil dans la chambre et regardent un petit peu s'il n'y a pas un énorme chien qui pourrait s'y cacher. Donc, pendant ce temps, le capitaine C'est des gardes gentil et le pour toi. mage continuent à avancer. L'autre se rapproche de la cloison et Okino, que fais-tu? Enfin, Spiritus, tu peux faire quelque chose Je avant. peux agir avant Spiritus. Oui, bah, vas-y, vas-y. Je hurle, Spirit défonce la porte. Je le hurle. Mais ok. Très bien, Si on est dans la, on est d'accord, Okino. Si on est dans la merde, c'est de ta faute. On est De toute d'accord. façon, il nous aurait À repéré. l'instant où tu hurles cela, le capitaine pointe son épée vers toi. Tous les soldats qui étaient en train de visiter la chambre brusquement se retournent dans votre direction, alertés. Et Okino, toi, tu vois les yeux du mage qui s'illuminent légèrement, signe qu'il se tient prêt à activer sa magie. Moi je vais fermer la porte, hein. Non? Ouais, Ouais, tu c'est es bon, en je vais train de. fermer la porte. Ouais, tu Et fermes les ça. deux qui s'en foutent de moi parce qu'ils ont cru que j'étais un bourré, c'est ça? Ok, et à cet Bon, enfin, si instant, ça se fait bourrer, t'as quand qu'à dire tu, ouais, pendant parce que que. tu, pendant que Mais tu ils cries sont plus ça, avec un bâton. Frost dégaine ses couteaux et te chuchote Kino. Je suis prêt, je prends le capitaine. Il est pas un peu gay. Bah, moi je lui dis. Attends et observe. Parce qu'il y a Spirit qui va défoncer la porte avant que lui puisse agir. J'attends le signal pour le test d'ailleurs. Hein. Eh ben écoute, on va dire que tu vas l'enchaîner directement. Fais-moi un test de physique. Et je vais même pas te mettre de malus parce qu'un loup-garou qui défonce ses portes, c'est trop stylé. 3! Allez! 3! Et à mon avis, il y a. Attendez, regardez. Ce mec-là. Oh non, mais À sérieux. mon avis, il va voler quelque part sur l'un des deux mecs ou sur l'autre con ici. Celui-là va se faire. Il va y avoir Ce aussi serait bien qu'il celui-là, vole vers le mage justement. ça qui va se faire écraser contre la porte et qui Non, va se retrouver dans l'autre chambre. dans l'autre. Celui-là aura la moitié du corps à éclater pendant que ces deux autres Voilà, mecs c'est la vont partir. réussite What the critique fuck, de c'est quoi Spiritus ce aujourd'hui. Très Merci bien, donc Spiritus, en entendant donc l'ordre d'Okino, tu réagis au quart de tour.
tu te lances, tu lances tout ton poids, tous tes 200 kilos contre la porte, contre la cloison. 200 kilos seulement. Eh oh, c'est un loup-garou. Bon, allez, je m'en fiche, je suis pas spécialiste des loups-garous. Et donc, tu défonces la cloison, mais ce que tu ne savais pas, c'est que tu la défonces à l'endroit précis où se tenait ce guerrier. Le mur est défoncé sur le coup, tu entends un effroyable craquement, et Spiritus et les autres, vous voyez ce guerrier qui s'affaisse au sol, un flot de sang qui jaillit, et le cou tordu dans une position très étrange. J'ai pas fait exprès. Et le mage il se prend rien. Putain, le mage, sérieux. Donc tu traverses quasiment le couloir, tu projettes le mage contre la cloison et tu le blesses sévèrement. Ouais. Ah c'est déjà ça. Il est à terre, quasiment entre tes griffes. Intéressant. Je suis sur ma chaise. Quoi? Mon plan a marché. Exactement. Comme tu voulais. T'as eu de la chance quand même. Ouais. Et donc le capitaine, lui qui met du temps à réagir, stupéfait, il commence à se tourner en dégainant son épée, en cherchant à voir ce qui se passe. Et les autres soldats qui sont pétrifiés et qui hésitent un peu. C'était un carnage. Ouais. Je pense que si j'essaie de faire une chérie, c'est de sauter sur des gens. En fait, c'est le deuxième réussite critique qu'il fait en sautant sur des gens, même si c'est la première, c'était pas dans cette partie. Ouais, la première, je sais même pas si ça a été filmé, la première. Non. Juste un truc. Je suppose que si moi, avec la chance que j'ai, d'après les dés que j'ai, si je me mets à foncer sur les deux autres crétins, je suis sûr qu'ils vont s'écarter et que je vais m'éclater contre le mur. Selon le calcul très justement... précis, eh bien tu vas te péter avec. Ouais, et juste, hein, je tiens à me plaindre de mes petits dés, parce que en fait ça me fait que des échecs, hein, depuis à peu près le début. T'es juste poisseux. Essaye, t'as réussi un dé de social, tu peux réussir un dé de charge. Allez, tu tentes de les charger. Borea est à côté. C'est pas encore mon tour. Hein. Si, c'est mon tour. Bah écoute, Kino a fait son tour, Spiritus a fait son tour, Frost a passé son tour suivant tes conseils. D'accord. Et les autres se sont fait juste défoncer donc. Alors, moi la porte qui se trouvait ici, elle est fermée ? Oui, elle est fermée. Là. D'accord, celle-là elle est ouverte. Oui. Celle-là. Et ces deux mecs là sont en train de rentrer, d'accord. Ces deux mecs là sont en train de sortir. Si tu cherches, tu les envoies dans la chambre et tu barricades la porte à moitié. Regardez les effets spéciaux. Oh mon dieu. Voilà, donc que fais-tu? Est-ce que tu les charges? Donc les deux sont sortis. Ils sont tous les deux sortis. Chargez, ils y attendent pas. Bah je les charge de façon à ce que même si je leur fasse pas de dégâts, ils tout simplement ils se retrouvent éjectés dans cette direction là. De façon à ce qu'ils s'étirent. Surtout pas. Pourquoi? Non, surtout pas. Plutôt dans la chambre. Dans la chambre et après tu reformes la porte. D'accord, je vais faire ça. Ok, donc. Je les charge de façon à ce qu'ils soient poussés dans la chambre en essayant d'en planter un avec mon bâton. Non, c'est un peu trop con. Mais tout simplement, je les charge, j'essaye de les envoyer dans la chambre. Ok. Je les charge et je les envoie dans la chambre. Je pousse les gens gentiment de façon à leur éclater 2-3 côtes au passage. Très bien. Histoire de faire voir. Tu vas me faire un test de force. Allez. Vas-y. S'il te plaît. Ouais. 24, ça 24. Passe. Très bien. Donc. Tu charges les deux soldats qui ne s'y attendent pas, qui sont en train de débouler dans le couloir, complètement abasourdis par ce loup-garou qui vient d'entrer brutalement dans le couloir. Ils ne s'attendent pas du tout à cette attaque. Tu les pousses et tu les renverses. Ils tombent sur le dos, donc, dans la pièce, et tombent l'un sur l'autre, en s'emmêlant un peu dans leurs armures. Merde. Et je referme la porte, bien sûr. Très bien, donc tu refermes la porte. Voilà. C'était... Je peux pas la bloquer avec quelque chose aussi, non, peut-être. Il y a rien qui... Avec ton bâton, tu as calé avec ton bâton, tu le récupéreras après. À part ton bâton et toi, il n'y a pas grand-chose qui traîne par ici. Et le cadavre, celui que Spiritus a tué. Ah bah pour l'instant, je les maintiens parce que je pense qu'ils vont pas faire long feu avec le mage qui va s'éclater, leur foutre quelques coups de taser dans les burnes. L'assassin qui va vouloir égorger 2-3 et loup-garou qui est énervé. Enfin, il en reste que deux, en fait, pour l'adversaire. Il reste... En fait, il reste que deux adversaires pour trois mecs, en sachant qu'il y en a deux qui sont enfermés, et moi qui bloque la porte, un nain qui bloque
Donc la porte, voilà. Hein. Pas ça, ma foi, c'est très bien compliqué. Voilà. Hein. Donc voilà, terminé le tour. Donc voilà, donc pendant ce temps-là, les deux autres sont en train d'essayer de se relever, de se dépêtrer. Et le capitaine, lui, se présente face à Spiritus, dégaine son épée et frappe. Donc, le capitaine Spiritus fond sur toi et tente, évidemment, de te frapper, de te décapiter, de faire tout ce qu'il peut pour te faire payer ce que tu viens de faire à ses chers compagnons. Et il le réussit. Il te touche avec son épée violemment et t'inflige 5 points de dégâts. J'ai le droit à une parade. Prends. J'avais pas le droit à une parade. Fais ta parade. Tu me dégoûtes. Même, je vais au moins diminuer un peu les dégâts. Je crois que ça passe. Merci. Mais non, ça passe pas. Les sorts de parade ont été nerfés. Vous êtes au courant maintenant. Ah oui, ça passe pas du tout. Très bien. Donc tu prends et c'est même 6 points de dégâts. Ça fait mal. Le mec, il est pas né de la dernière pluie. Donc. J'en ai 28, monsieur. Ah, pardon. Désolé. On voit pas sa barre de vie. Okino, c'est à toi. T'inquiète, je. Vu qu'il s'est retourné, j'en profite. Je lui pose la main sur l'épaule et sort de foudre. Ok. Fais-moi un test d'intelligence. Plus foudre, ça fait plus 15%. Plus 15, je sais plus. Plus 10 ou plus 15. Mes fiches. Non, c'est marqué sur ta fiche. Oui, justement, je regarde. Donc, intelligence 60. Magic foudre plus 10. Donc, ça fait 70. Allez. Oh, Juju est bien joué là, bravo. Mais arrêtez, bravo. Vous me dégoûtez là. Je m'incline. Purée, je rends comptable. Je tiens à préciser, avec le MJ à la dernière fois qui a voulu, entre guillemets, nous foutre dans la merde, à refuser mes petits scores qui étaient bien sympathiques, avec, entre guillemets, mon numéro de nom bourré, là, c'est entre guillemets à charge du revanche. Parce que là, merci. Ouais. Ah bah c'est la vengeance d'aider. Pas drôle. On ne peut rien. Attends, contre le jeu de rôle. Je sors une réplique quand même. Je suis toujours là, moi. Ouais. Donc Okino, t'es fou. Elle faut que tu trouves quelque chose d'un peu plus Gabriel, sors de ce. Est-ce qu'il y aurait pas ton épaule décoché par ton ton machin. Valiel saute de ton épaule et se réfugie près du mur. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous comprends plus du tout. Ouais, donc Okino, Valiel, le petit champignon démon, saute de ton épaule et va se réfugier près du mur. Allô? Oui. Bon, c'est bien ce que je pensais, il y a un bug. Ah oui, on t'entend, c'est bon. Ah bon, il n'y a pas de bug. Et donc, toi, Okino... Oui, oui. Ça va. Donc, Okino, tu te rapproches de lui et tu lui poses la main entre les omoplates et tu t'aperçois qu'étrangement, le capitaine... a dû négliger un peu l'entretien de son armure, parce qu'à cet endroit-là, il y a un défaut dans l'armure, un carré de peau sans protection. Tu poses la main là, tu envoies une violente décharge. Lance-moi un dé de 6. Ok, dé de 6. 1. Oh putain. Sérieusement. 4 foudre, ça fait plus 3, il me semble. Ouais, ça se passe. Ça passe quand même. Ouais, 3, et bien, plus one shot, tu veux déjà un peu près ce que je devrais faire avec cet homme juste après. Avec le critique. Ouais. Allez, je suis gentil. J'ai un accord de 7. Très bien, donc tu poses la main entre ses omoplates, tu envoies une violente décharge. L'homme est littéralement propulsé par la force du coup, et il va s'effondrer sur le cadavre de son compagnon. Merde. Hop, et tombe parmi les débris du mur. Mais alors, arrêtez. Je tiens à le préciser, hein. Ouais. On a une couche de bois, on a une couche de ketchup, on a une couche de steak cuit, et il manque quoi d'autre? De la salade, c'est ça? Ouais, vous allez me faire des... Bah la salade, elle est là-bas, non? La salade, c'est mal. La salade, elle est là. Désolé, mais notre mage est spécialisé dans la nourriture. Alors, du KFC, du popcorn, du sandwich, mais il va nous faire quoi la prochaine fois? Ah non, mais... Bah la prochaine fois, ça sera tout simplement du poulet grillé. Et pourtant, j'ai quand même le malus cuistot foudroyant. Tout ce que je cuisine crame. En fait, donc faudrait que tu te donc, mettes avec le. C'est une défaite complète qui commence à se dessiner pour vos assaillants. Très bien, donc Spiritus, tu vas plaquer le mage. Malgré Allô. Tout, il est toujours capable de réagir. Et tu vois ses yeux qui s'illuminent violemment d'une lueur.
bleu. Et puis, soudain, tu le sens qui devient tout mou entre tes bras, qui perd conscience. Spiritus, c'est donc à toi de jouer, que fais-tu? Attends, il devient tout mou, c'est ça? Non, il perd conscience. Tout mou. Oui, oui. Ah, il perd conscience. Tout mou comme s'il était évanoui, quoi. Lui d'accord. Tout, pas tout comme s'il a fait fondu. À ta place, je lui briserai quand même le crâne. Que fais-tu? Si Jean est en train de perdre conscience, je pense que ça sert à rien de l'assommer. Mais non, il est dans les pommes. Oui, il est dans les pommes, donc ça sert à rien. Égorge-le, bouffe-lui la gorge. Bah non, ça peut être intéressant pour un interrogatoire. Un mage comme ça peut avoir beaucoup d'infos. Ça peut être très dangereux. Sur un mage, ça peut. Un mage, ça peut aussi faire de la télépathie liées. Aussi. Les mains un mage, ça fait de la télépathie et notre Frosty n'est qu'un PNJ. Voilà. Ok, ok. Bon, bah, je lui défonce la gueule, je lui broie le crâne, je sais pas. Tandis qu'on a encore deux gardes tout frais là. Et on a encore deux gardes tout frais gardés par mes soins. Ça va donc, tu lui okay. exploses la bouche. Fais-moi là. Donc un test de force avec un bonus. Et bien, puisqu'il est complètement à terre et complètement entre tes bras, on va vraiment être manchot pour. Enfin, bref. Un bonus de combien? J'ai pas entendu. Ouais, faudrait être vodka, hein. 20. Et avec ton bonus natif de pugilat, t'as quasiment aucune chance de le rater. 62, ça passe. 62, évidemment, ça passe. Easy. Très bien, donc tu le frappes violemment sur le crâne dans l'objectif de le déchiqueter. Tu me lances un dé de 6. Oh. 3 plus gris, je sais plus combien ça fait. Attends. Plus 2. Plus qu'il n'y a pas de résistance envers l'adversaire. Hein. Plus 2, très bien. Donc ça fait 5 dégâts. Résistance de base, de toute façon. Je suis dans ces mêmes caractéristiques. Tu ne rends pas plus de dégâts si tu n'as pas de défense. Tu prends moins. Donc tu vois que le mage accuse sérieusement le coup, mais tu ne l'as pas tué sur le coup. Car à l'instant où tu assènes donc le coup, tu vois l'air qui scintille légèrement autour de lui. Il est pas dans les tu vois que un bouclier magique ouais. vient de. Je disais parce que en plus tu me disais ses yeux commencent à briller bleu, donc il devait se concentrer pour invoquer un pouvoir. J'étais en train de me dire ça. Bah moi je pensais qu'il faisait de la télépathie pour prévenir ses amis. Après avoir asséné ce coup, tu ne ressens plus de résistance. Apparemment le bouclier a cédé. Mm-hmm. Hop. Donc pendant ce temps-là, c'est à Frost d'agir, Frost l'ami. Et donc, Frost, voyant le capitaine à terre, il s'approche de lui, dégaine une dague et évidemment, tente de l'achever. Tente. Il est pas mort. Non, il est pas mort. Tu l'as projeté par terre comme un. Deux. Mais non, c'est notre jour aujourd'hui. Hein. C'est moi qui lance les dés, je me pourris la vie. C'est jour, je crois, aujourd'hui, les mecs. Ah, c'est pas mon jour. Ah, ça fait plaisir, ça. Ah, désolé, ouais. Mais ça fait plaisir. Comme avec quoi, la malédiction des dés qu'on avait avant. Comme quoi, on le dit souvent, mais les dés sont vraiment truqués. Bon, voilà, le truc de Frost. Donc, Frost... ne cheat pas. Ça, c'est la preuve. Ouais. Oh, non, mais c'est triste. La prochaine fois, je ferai des lancers cachés. Donc, tu t'approches de lui, Frost. Non, pas de lancers cachés, hein. On fait pas confiance, lui. Sur les vidéos, ils les voient pas. Donc Frost hop s'approche du capitaine, dégaine son couteau, la lame scintille et il l'enfonce en plein cœur. Et donc nous pensions que nous n'avions aucune chance. Donc la lame s'enfonce dans l'armure. Et puis Frost, soudain il sent quelque chose d'étrange. Oula. Son couteau se volatilise. Littéralement. Quoi? Putain, j'ai eu peur, j'ai cru que le mec. Le sol se met soudainement à vibrer. Vous voyez une. La moindre chose magique se produire. Oui, bien justement, vous sentez une profonde vibration dans l'air. Vous voyez une sorte de lumière qui émane du capitaine, qui se relève. C'est un démon. Extrêmement, extrêmement énervé, qui adresse à Frost un regard noir. Ne fais plus jamais ça, toi! Et puis, soudain, à cet instant précis, vous entendez des bruits de bottes, des bruits de pas dans le couloir. Oh là, merde. Et apparemment, mais vraiment de la merde.
vraiment dans la merde. Vous n'êtes. Ah non, mais ça, c'est de la mauvaise soie. Hein. C'est il de il la fallait qu'ils trouvent une solution pour nous éliminer. Ils pouvaient pas nous garder. Son scénario était. Il voulait qu'on meure. Le problème, c'est qu'on soit capturé. On soit capturé. Vous entendez d'autres personnes qui arrivent. Mais Frost, à son grand étonnement, le capitaine se voit que le capitaine se tourne vers lui, mais ne contre-attaque pas. Il lui adresse quelques c'est mots. C'est le point surprise, on appelle ça. Il lui adresse quelques mots. Bon, bien joué tout de même. Mais la prochaine fois, fais plus gaffe. Et vous voyez à cet instant qu'il dégaine une deuxième épée qui sort d'un deuxième fourreau, qui porte du côté droit. Une longue épée torsadée, à la lame légèrement ondulée, d'un genre que vous n'avez encore jamais vu, qui vient visiblement d'un pays plus ou moins lointain. Asiatique. Et à cet instant, donc, le capitaine se détourne de vous et s'avance à grands pas dans le couloir, en te dépassant Spiritus. Et en marchant sur avec eux en plus. Connard. Donc oui, Okino, effectivement, tu as senti un déferlement de magie assez impressionnant. Ce capitaine, soit il est sous la protection d'un esprit puissant, soit il est lui-même un grand mage. Ah bah, ou alors il est aussi sous la protection du mage qui est juste là. Le mage qui est juste là étant un petit peu mourant, mais pourquoi pas. Voilà, donc pendant ce temps-là, d'autres personnes commencent à débouler dans le couloir et... je vais faire un test. Hop. Car en effet, Volker, tu t'aperçois que derrière la porte, ça commence à faire du bruit, ça commence à tambouriner. Soudain, un violent coup d'épaule est donné dans la porte, mais tu es bien adossé et elle ne cède pas. Les tambourinements redoublent de violence, mais pour l'instant, aïe. Tu entends bien la sortie. On peut pas entendre un petit hurlement de soldat qui s'éclate. C'est aïe, je t'avais prévenu que c'était une mauvaise idée. Oh là là. Et ouais, et vous entendez donc un coup de poing et un soldat qui hurle. Ah merci. C'est très bien les hurlements. Très bien les hurlements, ça. C'était le magnifique hurlement très viril. Donc, Spiritus, que fais-tu? Eh ben, je tente toujours d'achever le mage, hein. Eh bien, écoute, c'est pas vraiment la peine de faire un test. Hein. Tu n'échoueras que. Mais attends, il y a le chef là qui est en train de se casser. Oui, voilà, c'est ce que j'étais en train de me dire. J'avais pas. Ah oui, il y a le truc qui est derrière toi. Tu peux te retourner, l'éclater dans la chambre. Défonce, voilà, c'est. Défonce le mage. Je continue. Je te dis, occupe-toi du mage. Je fais confiance. Je fais confiance à Okino. La dernière fois que je t'ai dit quelque chose, ça a marché. Oui, ouais. Et au cas où, hein, juste au cas où, hein, si ça se trouve, le truc, il va peut-être réussir à s'en sortir, hein, parce que vu sa couleur... Mais c'est surtout que le général, j'ai senti la magie qu'il a déferlée, on peut rien lui faire, on pourra pas le tuer, on n'a pas la puissance pour. Ah non, mais on peut lui la téléburne. Ah mais non, mais il survivra à chaque fois. Surtout, est-ce que tu l'armes la téléburne, donc, au général, ou est-ce que tu achèves le mage? J'achève le mage. Très bien, alors fais-moi un dé de sang, tu n'échoueras que sur échec critique, parce que les mecs dans le coma quand même, faut pas déconner. On n'échoue pas, tu vois, un mec dans le coma. Ça passe quand même, ça passe quand même. Donc, tu te résignes à devoir achever cet homme, tu lui donnes un violent coup qui décolle quasiment sa tête. Son désolé, bon, c'est pas que toi, mais... Désolé, je ne mesure pas ma force. Vraiment, c'est pas contre toi, et tu fais chier, quoi. Tu fais chier, j'ai dû te tuer. Message à tous ceux qui voudraient me faire chier. Et donc, il est mort visiblement lui aussi. Eh, ça va, la tête a pas traversé le plancher. Il est pas trop énervé, notre. Pendant ce temps-là, le capitaine continue à courir dans le couloir, tandis que, hop, d'autres personnes. Volker, balance-lui son bâton pour le faire trébucher. Non, il faut rien lui faire, ça ne sert à rien. Et les deux autres, ouais, on en fait quoi des deux autres qui arrivent? On les voit pas. Attends. On sait pas qui sont là, techniquement. Vous savez qu'ils sont là parce que vous entendez, vous les entendez. Oui, mais on ne sait pas si ce sont des amis ou des ennemis. Mais... On fait quoi des 7 autres? Moi, tout ce que je peux dire, c'est que c'est à mon tour de jouer. C'est très bien. Non, il n'en reste que ça. Je cours vers le général et je l'interpelle en lui disant: qu'êtes-vous vraiment venu faire ici? Donc tu cours en mode YOLO au milieu du champ de bataille. Ah oui, mais j'en ai rien à dire. Mais moi, juste le champ de bataille. C'est un champ de bataille parce qu'on a deux adversaires morts, un qui est en train de fuir, et
les deux autres qui sont en train de s'éclater la gueule contre la porte. Voilà. Agilité, s'il te plaît. D'agilité. Surprise. Je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. Vous avez réussi trop de choses. Agilité, je suis sûr que ça passe. On comprend maintenant pourquoi adresse... il est devenu MJ. Adresse 40. Merde. Attends, est-ce que j'ai un bonus? Est-ce que j'ai un bonus? Pitié. Combien? Je crois pas, tu balances Valiel. J'ai 40. Oh ouais, tu lances Valiel, c'est. Très bien, même avec le bonus de 10 que j'aurais pu t'accorder, ça ne passera pas. Ouais, et donc, tu peux envoyer Valiel quand même par la pensée. Tu ne fais qu'une chose à la fois, tu es un commandant. Donc, tu cours comme un dératé pour essayer de le rattraper, mais tu te prends les pieds dans la queue de Spiritus et tu t'étales sur le sol. Aïe! Et donc, Valiel te suit aussi vite qu'il peut. Il est tout petit aussi. Volker, pendant ce temps-là, donc, vous suit. Très bien, Volker. Donc, tu vois ce capitaine... Tu vois ce capitaine qui court à travers le couloir, poursuivi par tous tes amis. Que fais-tu? Je me penche, bugué contre son corps, pour essayer de le plaquer contre le mur. Fais-moi un test de physique. Rugby. #rugby. Le mec qui est devenu rugbyman. C'est les All Blacks. Non, certainement pas. Ça va? Ça passe? Non, ça passe pas, je pense. Hein. Ah, dommage. Et t'as pas de bonus de racial de charge de naine, je suis pas raciste non plus. Non, mais attendez, juste, c'est calculé par rapport à quoi ça, la charge? La force? Oui, force. Force, ouais. 42 force. Ça, c'est de la merde. C'est vrai, c'est de la merde. Même avec un bonus de 10, tu serais pas passé. Ok, donc tu fonces vers lui et tu tentes de lui asséner un coup de bélier. Il se contente de te repousser d'un geste de la main, tu trébuches en arrière, mais tu ne tombes pas. Et tu n'arrives absolument pas à l'arrêter. Et donc à cet instant, il arrive vers la porte et il l'ouvre. C'est alors que donc vous commencez à voir distinctement. Du moins, seul Volker les voit. Oh bah vous commencez à deviner tout de même qu'il y a un beau bordel. Et vous commencez donc à distinguer les renforts. Amis ou alliés, enfin amis ou ennemis, je veux dire, qui commence. J'ai perdu combien pour mon sort de foudre? Le deux fois moins que d'habitude, comme c'était une réussite critique, à toi de voir. Okay. Très bien. Donc à cet instant, le capitaine s'arrête et brandit son épée pour faire signe aux autres de s'arrêter. Et donc le premier des guerriers s'arrête brusquement. Seigneur Canon, c'est vous, j'ai eu peur. Pas de problème. Bon, je crois que j'ai trouvé ce qu'il nous fallait. Allez-y. Hé, Seigneur, je croyais que vous n'aimiez pas les épées algavariennes. Pourquoi vous en avez pris une cette fois? Ah, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, petit. Et à cet instant, donc vous voyez le capitaine, le Seigneur de Canon, comme l'a appelé cet homme, lancer son épée violemment vers l'avant et décapiter le soldat. What? C'est tellement violent que la musique vient de se couper. Quoi? C'est ainsi qu'on va couper l'épisode. Oui. Ah oui, c'est quand même violent. C'est quand même violent. Donc c'est des alliés. Bien joué, soldat. Très bien, donc... Voilà. c'est bien le capitaine qui vient de décapiter le soldat. Hein. Ouais, oui, donc en fait, ça, les soldats qui viennent d'arriver, c'est des alliés. Non, c'est des amis à lui. Sauf que lui, c'est un gros connard. Il est pire que moi. Et donc, c'est ainsi que s'achève l'épisode. Pire que toi, je sais pas si c'est. Et donc, je pense qu'il pourrait se rebeller contre lui. On achève l'épisode, Fanax. Et donc, c'est ainsi que la chèvre va. Que va s'achever cet épisode. Qui est vraiment le capitaine? Que va-t-il se passer? Nos amis survivront-ils à leur incroyable skill? Vous saurez tout cela dans le prochain épisode de Dragonia 5985 où j'espère il y aura des échecs critiques pour changer. Bye tout le monde. Non. À bas les échecs critiques. Allez, ciao les gens.